vous allez bien? Moi ça va hyper hyper bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Essayez de ne pas être choquée, puisque aujourd'hui on va regarder les make-up les plus choquants du monde. Les make-up vraiment hallucinants, catastrophiques, les pires make-up du monde un petit peu. Donc voilà, j'ai pas vu toutes les vidéos mais je vous préviens, c'est du lourd. On va halluciner dans cette vidéo là et vous allez essayer de ne pas être choquée tout comme moi. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre dès maintenant un gros pouce bleu. C'est parti, lâchez vos pouces bleus tout de suite, tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre la Make-up Chic Family. On est de plus en plus nombreux, bientôt 450 000. C'est juste un truc de folie. Merci à tous d'aimer mes vidéos. Je suis choquée. Voilà, je suis choquée. On doit essayer de pas être choquée, mais je suis déjà choquée pour tout ça. Donc merci à tous. En tout cas, ça me fait hyper plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, tout de suite. Et puis voilà, posez-vous tranquillement. Sortez les sneakers, le Twix, le Bounty, ce que vous voulez, le Kinder Bueno. Allez-y, c'est parti. Et puis voilà, on commence tout de suite. Let's go! Ok mes amours, c'est parti, on va commencer avec la première photo qui est juste là. Voilà, donc c'est parti, je vous les mets juste là comme d'habitude. Donc la première photo me choque déjà beaucoup beaucoup. Donc là je sens qu'on va être très choqués dans cette vidéo là. On va avoir des make-up complètement hallucinants. Donc en fait ça fait hyper hyper peur, parce qu'on croirait vraiment que la fille, en fait son visage il est coupé en 4 morceaux. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Vous, moi franchement ça me fait trop trop flipper. Vous savez que moi je déteste les films d'horreur, je vous ai déjà raconté et tout. Donc quand je vois des trucs comme ça, moi ça m'angoisse, ça me fait très peur et je ne dors pas la nuit après. Donc là pour le coup ça me fait vachement flipper quoi. Oh là là, mais c'est trop bien fait, parce qu'on dirait vraiment, à mon avis peut-être qu'elle a un bandeau noir ici, mais alors pour le bas là je comprends pas comment ils ont fait quoi. Si vous savez un petit peu comment ça a été fait, les effets spéciaux et tout, si vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui s'est passé là, comment ils ont fait en fait pour que enfin qu'est-ce qui se passe là, son visage il est où en fait, je comprends pas, on dirait vraiment qu'il est coupé, ça fait trop trop peur. On passe à la prochaine photo mes amours. Donc là hop, prochaine photo. De pire en pire, c'est de pire en pire. Donc là, la fille, elle est coupée en deux, quoi. Son visage, il est sectionné en deux parties. Ça fait hyper peur. Ça me fait trop flipper. Si vous avez peur aussi, mettez des gros pouces bleus. Comme ça, je me sentirai moins seule. Donc c'est parti, mettez plein de pouces bleus pour me soutenir et m'encourager. Comme ça, on sera ensemble. Oh my god. Mais les gens, c'est des fous, c'est des fous. Comment ils arrivent à faire des trucs comme ça? Moi, je trouve ça hyper artistique. Je trouve que c'est très joli et tout et tout. Mais quand même, ça me fait trop flipper, quoi. Ça me fait peur. J'arrive pas, je sais pas. Alors là, cette fois-ci, je sais pas en fait comment ils ont fait pour que, en fait, vous voyez juste là, il n'y a rien du tout. En fait, je comprends pas, son visage, il est passé où en fait? Il est où son visage? Expliquez-moi ça. Donc, en tout cas, ouais, c'est trop bien réalisé quand même. Et je trouve que la fille, elle est bien maquillée en fait à la base, mais après, il y a eu l'effet spécial d'Halloween, j'ai envie de dire, ou de film d'horreur qui a un petit peu tout gâché. Après, ça dépend, on aime ou on n'aime pas, mais moi, ça me fait flipper, comme je vous ai dit. Donc, ensuite, prochaine photo, mes amours. Ah ouais! Donc en fait c'est vraiment de pire en pire, en fait c'est chaud là. Il y a un serpent, une espèce de serpent qui passe entre ses lèvres. Et imaginez que c'est un vrai serpent. En plus on dirait un vrai quoi. Oh là là, ah, ça fait trop peur, ça fait trop peur, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Ah, c'est... Vous imaginez un truc comme ça dans vos lèvres? Oh, ça me dégoûte trop là, non, non, là je peux pas. Ah non, là c'est horrible, là c'est horrible. Donc ensuite, prochaine photo. Alors, wow. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je comprends pas en fait. Truc de fou. Alors là, son visage il est voilà, il est coupé à la scie. Eh hey, mais c'est chaud. Mais on va pas mentir, c'est super super bien fait, c'est trop bien réalisé. La personne qui a fait ça, genre elle est trop forte quoi, ça doit être une artiste de malade là. Hein, ou une artiste bien sûr, parce qu'il y a des mecs qui se maquillent et qui maîtrisent bien l'art du maquillage aussi. Mais ouais quoi, c'est dingue. Oh là là, c'est trop joli en tout cas. Franchement là, pour le coup, j'avoue que j'aime bien parce que en fait ça m'impressionne en fait. Waouh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un truc de dingue quand même, comment ils ont fait ça quoi. C'est fou, c'est hallucinant, c'est complètement dingue, c'est fou. Waouh, c'est un truc de malade. Bref, on continue mes amours. Donc la prochaine photo, waouh. Là j'aime bien par contre, là ça fait pas trop peur. Je trouve que c'est plus féerique. Ouais, genre féerie, magie de Noël, même si c'est pas encore Noël. Donc non, on va dire un petit peu, vous savez, Disney. Voilà, les ambiances comme ça, un petit peu féerique, magique, que les enfants adorent et même les plus grands d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas c'est trop bien fait. J'adore les couleurs, les petites étoiles, le mélange des couleurs, etc. Et je comprends maintenant, oui ça fait un peu peur. Enfin ça rappelle un petit peu, parce qu'on dirait un petit peu comment on appelle ça? Ah oui, voilà, on dirait une personne un petit peu squelettique. Je sais pas comment on appelle ça. Ah bah, un squelette, voilà tout simplement. Voilà, on dirait un squelette en fait, mais c'est trop bien fait quoi. Oh,
J'adore comment elle l'a fait. Là, je vous mens pas, je kiffe en fait. J'avoue que ça fait peur. En fait, ça fait même pas peur, je trouve. C'est trop beau en fait. Je trouve ça trop magnifique cette fois-ci. Franchement, je kiffe, kiffe, kiffe. Donc, si vous kiffez aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, là, même esprit, un petit peu squelette. On a la mâchoire là. Je crois qu'ils appellent ça je sais plus, les Américains. On voit ça très souvent, les tutos à la période d'Halloween sur YouTube. Donc en tout cas, ouais, c'est plutôt joli, c'est doré, etc. Mais je vous avoue que je préfère quand même l'ancien parce que là, ça me fait peur quand même. J'avoue que là, ça me fait un petit peu peur. En plus, le doré et tout, j'aime pas trop les couleurs comme ça, comment elle les a mises. Et puis la mâchoire, en fait, les dents et tout, ça me fait vraiment, vraiment flipper. J'arrive même plus à parler tellement je suis choquée. Donc voilà. Ensuite, mes amours, qu'est-ce qu'on a comme... J'ai pas pu terminer ma phrase. Aïe aïe aïe, c'est un truc de fou. Alors là, soit ils ont dessiné et ils ont fait des effets de doigts comme ça superposés, mais alors là ils sont trop forts et je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ou alors soit il y a 10 000 personnes qui sont derrière elles, bon au moins 4 ou 5, en train de mettre leurs mains, etc. Mais je pense en fait que c'est un effet d'optique parce que en fait je sais pas si vous voyez, mais là, alors attendez, hop là. Est-ce que vous voyez bien? Alors j'agrandirai un petit peu comme ça vous allez voir. Il y a un doigt qui traverse un petit peu son œil. C'est un truc de dingue, c'est un truc de folie mes amours. Je sais pas qui a fait ça mais franchement la personne elle est trop talentueuse. Même si moi ça me fait peur, je dois reconnaître qu'il y a quand même du talent là-dessous. Et franchement bravo quoi. Ah non c'est trop bien fait, ah je suis choquée. Oh je suis choquée. Oh my god. Donc ensuite on passe à la prochaine photo. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On va halluciner aujourd'hui mes amours, on va être choqués. Moi je suis déjà choquée là, moi c'est déjà fait. Ah ouais. On dirait qu'il a un petit peu de dribblé on va dire. C'est trop bizarre quoi. Là c'est un bel effet d'optique hein, parce qu'on pourrait vraiment croire que c'est vrai quoi. Eh mais le truc de malade, on dirait que c'est moi qui ai un petit peu, qui vois flou, qui vois en 40 000 n'importe comment. Mais en fait non j'ai pas bu, c'est vraiment comme ça en fait. Bah ouais. C'est un truc de fou quoi, on pourrait croire que ça vient de nous. C'est super bien fait quoi. Donc ils ont mis deux yeux comme ça, enfin quatre du coup. Le nez, les lèvres, non franchement c'est trop bien fait. Et les sourcils, non mais franchement ils sont trop forts. Du coup, moi j'arriverai même pas à voir où est la fille en fait. Est-ce qu'elle est en haut, en bas, on sait même plus. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, dans le même esprit en fait, sauf que là ça fait un petit peu... Ouais un petit peu spirale j'allais dire, un petit peu un autre effet. Là ça me fait trop peur par contre hein. J'aime pas du tout là par contre. Là je... Non je préfère encore l'autre parce que celui-ci j'avoue qu'il me fait très 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 peur. Franchement j'aime pas du tout. J'arrive pas à voir où est la fille. Enfin si je crois que je sais où elle est c'est bon. Ouais je crois que je vois ses yeux et tout mais bref. Ça me fait peur, j'aime pas trop trop ça. En fait tout simplement bah, ses yeux ce sont là où il y a les plus grands yeux. C'est ce que je pense. Mais en tout cas c'est vrai que ça me met très mal à l'aise. Donc on va changer de photo mes amours parce que j'ai trop peur. Donc là waouh, c'est très joli, franchement je trouve ça plutôt pas mal. C'est vraiment très sympa. Je vous avoue quand même que je préfère le côté où il n'y a pas le squelette, vous voyez, où il n'y a pas le squelette rose. Même s'il est rose et que j'adore le rose, là franchement j'aime pas trop. Ouais ça me fait flipper. Mais sinon l'autre côté franchement il est super artistique je trouve. Par contre moi il y a un truc qui me fait halluciner, c'est qu'on dirait vraiment un vrai squelette. Parce que vous voyez au niveau des os à ce niveau là ici bah il y a un problème en fait. On dirait vraiment que juste là, hop là, ici voilà. On dirait vraiment que bah il n'y a pas de corps. On dirait que c'est vraiment des os quoi, le truc noir. Donc je sais pas comment ils ont fait ça mais ils sont trop forts en tout cas. Respect, franchement respect à eux. Donc ensuite prochaine photo. Oulala, on dirait que la fille elle dégouline pour de vrai. Ouh. Ah, on voit même plus la forme de sa tête. En fait ça fait un truc tout bizarre, c'est trop chelou. Oh, vous avez vu au niveau des gouttes là, c'est trop bizarre quoi. On dirait vraiment que c'est vrai. Oh, et un truc qui me dégoûte c'est en haut du crâne. En fait on dirait qu'elle a plus de crâne et que c'est trop chelou. Oh, c'est trop chelou, j'aime pas. Donc ensuite je crois que c'est pour l'instant la photo qui m'a le plus choquée mes amours. J'ai juste une question à vous poser. Vous me répondrez en commentaire, s'il vous plaît. Où est sa tête? Où est passée sa tête? Je ne sais pas en fait. Et là, on peut même pas parler d'effet d'optique en fait parce que elle a pas de tête la meuf. Il y a un trou et c'est tout. Il y a le buste, c'est les bras et tout. Ça fait trop flipper. Alors là, je sais pas comment ils ont fait. Hein. Je sais pas comment ils ont fait. J'essaye de chercher, c'est pour ça que je parle pas, j'essaye de chercher un petit peu comment ils ont pu faire pour cacher sa tête, mais je vois pas en fait. Sauf si c'est un mannequin à qui on a arraché la tête, vous savez, les mannequins qu'on met dans les magasins, etc. Mais là, sinon, mais non, en plus, non, c'est pas le cas, puisque c'est un vrai corps. Oh, je
comprends rien. Je ne comprends rien, j'ai l'impression d'être bête, d'être folle, mais en fait, je sais pas quoi. Où est sa tête? Où est sa tête? Je ne sais pas. Au secours, qui peut m'expliquer où est sa tête? En fait, je ne vois pas, je ne comprends pas. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires tout de suite, ça m'aiderait beaucoup. Parce que là, franchement, je suis trop choquée. Le challenge, c'est d'essayer de ne pas être choquée. Et bah, bien sûr, je l'ai perdu. Comme toujours, à chaque fois, je perds les challenges. Ça va pas du tout. Mais en tout cas, on a vu vraiment des photos complètement hallucinantes, des make-up complètement dingues et incroyables. N'hésitez surtout pas à me dire lequel vous a fait le plus peur. Pour moi, c'est clair et net que c'est bien sûr le dernier parce qu'il était vraiment trop choquant, quoi. Comment on peut faire un truc comme ça? Comment on peut faire un truc comme ça? Bref, encore une fois, j'ai perdu, mais j'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas. Voilà! Oh my god, mes amours, on avait des photos complètement folles, complètement hallucinantes. Et franchement, les make-up sont hyper choquants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez-y, c'est parti. N'oubliez pas de mettre plein de gros pouces bleus, ça me ferait hyper plaisir. Donc c'est parti, lâche ton pouce bleu. Comme ça, je ferai plein d'autres vidéos dans ce style-là. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre la Make-up Chic Family en vous abonnant à la chaîne. Et bien sûr, pour s'abonner, c'est tout simple. Il suffit juste de cliquer juste en bas sur l'encadré en rouge où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez dessus, bien sûr, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Ou alors à la fin de la vidéo, il y aura un gros rond avec ma grossette à l'intérieur. N'hésitez pas à cliquer dessus. Comme ça, vous serez abonné à la chaîne et vous verrez une nouvelle vidéo avant tout le monde. Voilà, je voulais vous dire que j'aime très fort. Je vous dis à demain 19h pour une nouvelle vidéo hyper fun et hyper drôle. Bisous. Je vous aime fort. Ciao.